J'ai passé un an hospitalisé pendant que les copines faisaient leur terminale. À 16 ans, Aurélie est renversée par un chauffard alors qu'elle circule à scooter. L'artère fémorale sectionnée, elle doit sa vie à l'intervention d'un pompier. Aujourd'hui, à 34 ans, amputée d'une partie de la jambe, elle vit à fond pour se reconstruire. Sur le moment tout s'effondre, on se dit on est foutu. Voilà, j'étais danseuse, je me dis ça y est, la danse c'est terminée, le cheval c'est foutu, tout devient compliqué. On se dit on est au fond. Et puis en fait, si on est bien entouré et qu'on a le moral, c'est possible. Voilà, après 16 opérations, je marche à nouveau, même s'il y a encore des opérations à venir. Entre deux opérations, on vit à fond, on profite de la vie et des gens en fait qui nous entourent, quoi. On ne se sent pas handicapé quand on est avec des animaux, ils sont toujours réguliers et c'est hyper agréable. Donc on s'est dit, moi ça a été ma thérapie, est-ce qu'on ne pourrait pas en faire profiter aux autres? Donc on intervient avec les deux chevaux et le chien dans les centres de rééducation. C'est plus simple d'arriver avec les animaux parce qu'on parle d'abord des animaux avant de parler du handicap. Et après, quand je mets pied à terre, là on peut commencer à parler du handicap et essayer de leur donner les clés pour recouvrer un quotidien agréable. C'est ce qui m'inspire, qu'elle va en avant. Elle montre, elle n'a pas peur de dire « Regardez, il m'est arrivé ça ». Et les gens regardent curieusement. Non, elle fait ça très bien. Et je lui dis, ça ne s'arrête pas le Tour de France, elle peut faire un tour du monde. Jusqu'au bout, hein, tu viens taper la main. Son énergie et sa volonté, Aurélie va continuer à les transmettre. 4000 km à cheval et des visites dans des dizaines de centres de rééducation sont au programme. Le périple se terminera fin septembre à Aix-en-Provence. Il ne faut pas lâcher, toujours comme ça, je lâche. En mode guerrier. Je ne lâche rien.